spécial bonjour. Aujourd'hui, course à domicile. On reprend les courses. Donc là, aujourd'hui, on est au Moto Club de Villiers. On espère un bon week-end, un beau temps. La piste est bien préparée par le club. Franchement, c'est une belle préparation. Donc là, tout est installé. On va passer au contrôle technique, au point administratif. Le chronomètre, ça va pas être gagné encore parce que bon, c'est bien beau d'avoir des beaux silencieux Yoshimura sur le 250 CRF du Seigneur. Mais derrière, faut assumer qu'on prend des. On verra bien, j'ai les silencieux d'origine au cas où. Mais on vient voir, on va tenter. Ça passe, ça casse, et ben, ça casse. On va bien voir ce que ça va donner. Et puis voilà, on va essayer de faire du mieux possible ce week-end. Ça va être compliqué, je pense, on verra bien, parce que c'est encore du MX normand, ça roule pas. Mais voilà, on assume, on sait ce qu'il y a là-dedans, on assume. Et puis voilà, on va partir pour le petit tour de piste du samedi après-midi. Et après, direction. Administratif aussi, on est installé, la moto est passée, donc c'est impeccable. On va se soulever pour plus arrangeant pour la piquine. Et voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à faire les essais libres, les chronos demain matin. Je commence en série 2, donc on verra bien, j'espère y rester. On va tout faire pour du moins, et puis on verra bien. Maintenant il n'y a plus qu'à se donner à fond sur les essais pour avoir des bons chronos, avoir une bonne place sur la grille. Et puis voilà, on va éviter d'abîmer la belle jambe toute neuve. Que bon, j'ai dû vendre mon estomac pour pouvoir me l'acheter, donc c'est un peu compliqué, mais voilà. Donc, okay, bah sur ce, je vous laisse pour cette soirée et on se retrouve demain matin en GoPro pour les essais libres et chronos. Bisous, bisous. Not a stop, watch shit don't never stop. This the flow that got the block. Give me my respect. I just took it left. Bon les gars, ça y est, on est dimanche matin, on part pour les chronos, les essais libres, tout ça. On va essayer de se mettre en jambes, la piste va évoluer tout au fur et à mesure de la journée. Pas, hein. On va bien voir ce que ça va donner, je pars en série 2, et puis on va tout donner pour essayer d'y rester, donc à faire, ça serait bien. Faire des meilleurs résultats que l'année dernière, et puis bah, maintenant, on va voir si le travail de cet hiver a payé au niveau des chronos. Et puis bah, voilà, maintenant c'est rendez-vous sur la piste avec la GoPro. Don't never stop.
Bon les gars, ça y est, chrono réalisé, de la grosse merde. 34 sur 45, donc on est comme ça en série 2. Je bascule en série 3, normalement je crois que je fais 4 de la série 3. Donc ça sera à vérifier, mais on va essayer de faire un bon départ, mais bon c'est compliqué. C'est compliqué, j'ai du mal à me mettre dedans, là, il n'y a pas d'excuses à avoir de toute façon, mais la piste se défonce très vite. Du rail. Mais bon, bah on a des couilles, on en a pas, j'ai envie de te dire. Donc on va serrer à la moto, on va essayer de mettre du gaz, tu vois, essayer de faire un bon départ. Et puis on va bien voir ce que ça va donner.
chaud là, c'est bien défoncé. Je galère. Je pars 15 par 15 sur la grille. Milieu de gare, ça serait à peu près. Départ moyen. Je me retrouve coincé à l'intérieur du virage. Il y a eu une chute, je me retrouve coincé. C'est impossible de passer à gauche comme à droite. Donc bah, je perds beaucoup de place. J'étais peut-être bien, je pense, 37-38 je pense au premier virage. J'ai réussi à remonter un peu, mais c'est compliqué. Des erreurs, j'ai calé plusieurs fois, la moto a eu du mal à redémarrer, donc j'ai perdu du temps. J'ai réussi à en doubler quelques-uns quand même, grâce à des chutes et tout ça, sinon je pense que j'aurais beaucoup galéré. Donc du coup, je termine 33 de ma première manche. On va essayer de faire mieux en deuxième, mais c'est compliqué. C'est compliqué, la piste est dure. Chaud. Et là honnêtement j'ai pas de physique et je suis pas dedans. Donc on va faire la pause et puis on verra bien ce que ça va donner sur la prochaine manche en espérant que ce soit un peu mieux. Par contre c'est pas drôle là, t'aurais pu tomber au moins quand même. Mince. Oh si tu tombes. On dit quoi se faire? Non j'ai pas. Oh putain. Merci.
débrief de la deuxième manche parce que j'ai complètement oublié de le faire. Et puis en même temps, je vais vous parler un petit peu de la troisième manche, j'ai pas d'image du tout. Donc alors, deuxième manche, je me suis mis plus externe au niveau du départ pour essayer de faire un meilleur départ. Je suis plutôt bien parti, j'étais content de moi. Bon, bah, je freine tôt, j'ai un freinage trop tôt. Donc eh ben, malheureusement, je perds des places comme ça. Je chute au départ en plus, j'arrive à remonter quand même. C'est compliqué, franchement, je galère beaucoup. Donc du coup, je termine 32 sur 42 de la deuxième manche. Pas forcément satisfait, mais bon voilà, j'avais bossé la nuit, donc après voilà, c'est pas une excuse, pas du tout. Donc voilà, la troisième manche du coup, bon là c'était, honnêtement je le sentais pas du tout, c'était compliqué, j'arrivais pas à me mettre dedans, avant la concentration tout ça, là, avant la manche c'était compliqué. Donc du coup je suis quand même parti, je me remets tout externe encore au départ. Je pars de nouveau bien encore, j'étais dans les 12 je pense, j'étais dans les 12-15. J'ai failli tomber au départ, j'ai réussi à le populer, donc c'est comme ça que j'ai gagné des places. Je reste 15-16, une bonne moitié de manche je pense. Puis après bon bah la fatigue a pris le dessus et tout ça, donc voilà, ça a été compliqué. Donc je termine quand même 25 sur 39 de la troisième manche. Donc ouais, je suis plutôt content quand même, même si j'aurais pu rester 15-16, tu vois, à rester dans ces deux-là, mais bon, c'est comme ça, on va pas se plaindre. De toute façon, c'est... On fait avec, hein, on fait avec les résultats qu'on a, et puis voilà, de toute façon, on n'a pas su gérer comme il fallait, voilà. Donc maintenant, on va s'en mettre au travail. Au général, je fais 29 sur 40, 45, il me semble, sur 29 sur 43. Donc bon, les résultats sont quand même beaucoup mieux que l'année dernière. On va pas se gâcher, les résultats sont mieux que l'année dernière en mix normal. Mais bon, voilà, on va repartir au travail. Et puis, ouais, parce que bon, c'est toujours agaçant quand même d'avoir une bonne vitesse, un bon roulage en entraînement. Et ben, finalement, je me rends compte qu'en course, c'est pas du tout la même chose. J'ai pas de vitesse, le feeling avec la moto, c'est pas pareil. Pour moi, c'est la pression de la course, je pense. Mais ouais, non, c'est très compliqué quand même. Donc on va travailler tout ça, on va s'en remettre au charbon là, avant la course à Auville, donc le 13 juillet. Et puis on va travailler tout ça pour être au top pour Auville. Auville, je serai en National B. Donc voilà, mais en tout cas, c'était quand même un très bon week-end avec les copains et tout. Donc faut pas oublier ça. Et puis j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle t'a plu, tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes si c'est pas fait sur YouTube et Instagram. Et puis reste connecté pour les prochaines vidéos. Allez, ciao.